beneath the Mexican sky. La sécurité se vit au quotidien en montagne. Elle est un enjeu et elle a un coût. Enjeu s'intéresse ce mois-ci à cette thématique avec trois membres du cluster. L'entreprise savoyarde Somital est innovante dans ce domaine. Elle a mis au point deux dispositifs en direction des enfants sur les remontées mécaniques. La société Somital est une société d'innovation. La société a été créée aux alentours des années 2007-2008. L'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros avec un bénéfice net de 140 000 euros. Nous avons deux innovations, on va dire, en effet prépondérantes. Les deux sont là pour apporter plus de sérénité sur notamment les télésièges. Alors tout d'abord avec le Manistic Kid, composé de deux composants, une dorsale qui vient protéger le dos de l'enfant, mais aussi avec une plaque métallique qui va le coller sur le télésiège sur lequel il y a un aimant. On améliore, si vous voulez, le confort des parents. L'autre innovation, c'est le MS Bar qui sert à verrouiller le garde-corps pendant le parcours du siège le long de la ligne. Et là aussi, apporte de la sérénité pour les utilisateurs. Ces deux produits ont été pensés réellement pour pouvoir aussi bien s'installer sur un parc existant de tout type, mais aussi évidemment sur des appareils neufs dès la mise en service. Aujourd'hui, sur le MS Bar, on équipe plus de 1500 sièges dans 13 stations différentes. Sur le Manistic Kid, on équipe 8 stations, dont une en Autriche. C'est très variable, évidemment, suivant l'appareil. On va dire que c'est autour des 100 000 euros. Tous nos produits sont en effet brevetés, protégés au niveau France, mais aussi au niveau international. Concernant le MS Bar, nous avons signé l'année dernière un partenariat avec la société Pomagalski et ICS pour sa commercialisation. Nos produits, évidemment, ne sont pas là pour oublier toutes les règles de sécurité qu'on doit adopter, notamment sur un télésiège. C'est-à-dire tenir les deux bâtons d'une seule main, bien mettre son sac à dos devant, bien abaisser le garde-corps au plus tôt et bien surtout le relever qu'arrivé dans l'aire de débarquement. Clairement, que ce soit au niveau des utilisateurs, que des exploitants et encore une fois des autres professionnels, typiquement les moniteurs ESF, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de préoccupations autour du ski. Nous, on est là pour apporter des solutions pour que tout cela, ça reste encore un plaisir et toujours un plaisir.